Méditation du 10 août, elle ne retourne pas à moi sans effet. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ésaïe 55, verset 11, version du second. Une des citations bibliques les plus connues dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, quel que soit le messager qui la prêche. Voyons un bon exemple à la réalisation de cette promesse. Cherchant à s'abriter de la tempête qui avait paralysé la ville, un jeune homme est entré désespéré dans une église pendant que le pasteur adjoint délivrait le message. Sans beaucoup d'éloquence ni de préparation, le prédicateur commençait à aborder Ésaïe 45, verset 22. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Version Stervall. Il a répété cette phrase à plusieurs reprises et a ajouté « Un enfant peut regarder. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'université pour regarder. N'importe qui peut regarder. » À un moment donné, il a regardé le jeune homme qui fuyait la tempête et lui a dit « Jeune homme, tu as l'air misérable. Jeune homme, regarde vers Jésus-Christ. » Ce garçon vivait de façon désordonnée. La tempête n'avait pas seulement frappé la ville, mais aussi son âme errante. Bien qu'ayant été élevé dans une famille chrétienne, ce jeune homme avait consacré sa vie à se remplir de ce qui ne satisfait pas. Mais cette nuit-là, la parole divine a brûlé dans son cœur et ce message n'est pas tombé dans l'oubli, mais a rempli son esprit, marquant dans sa vie un avant et un après. Cette nuit-là, Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur du 19e siècle, a regardé vers Jésus et a été sauvé. Je crois que le moment est venu pour nous d'ouvrir les Écritures chaque jour, de les laisser nous parler, nous toucher et nous transformer, puisque c'est en elles que nous pouvons voir la vie de celui en qui nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre. Dieu a donné à sa parole un pouvoir unique. Si nous la lisons, si nous l'écoutons, si nous la vivons, rien ne sera plus pareil en nous. Tout changera pour le mieux. Peu importe que le prédicateur lise mal, que le passage soit petit, un seul texte biblique peut nous faire croiser le regard du Sauveur dont le seul but est de nous sauver. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.